Whoa. Regardez comme il fait beau, n'est-ce pas une très très bonne nouvelle de voir ça après un printemps qui nous aura quand même bien bien cassé les couilles, hein. Bon, en tout cas, moi ça me fait très plaisir, sachez-le. Coucou, on est en contre-jour. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Local Life. Local Life, aka la vie du local, tu connais. On a des nouvelles choses à faire aujourd'hui, ça fait très plaisir parce que nous avons un rendez-vous fibre orange qui va être un moment de vérité, l'installation de l'internet dans le local. Donc je vous explique en très rapide, soit ça va pouvoir être fait dès cet après-midi, soit va falloir des travaux un peu plus chiants et ça prendra un poil plus de temps, mais on va faire avec et on va découvrir ceci. Il y a aussi une petite négociation par rapport à de l'argent, vous allez voir. Oui, les local life, c'est pas simplement oh, regardez le local, c'est aussi des péripéties, du financier, des assurances, bref, plein de trucs très très cool. Et on va également juger les différents abonnés qui ont gracieusement proposé leur aide en choisissant les profils. Mais avant tout, j'ai aussi un petit RDV médical aujourd'hui, donc on va aller à Écully pour ceci. Voilà, Mélionnais, on y va. C'est mignon, Écully. Tu sens que c'est des gens en paix qui, avec leur compte en banque qui vivent ici. Hein. On va me signer peut-être ça. Je joue pas de magnifique. Merci, monsieur Stéphane. Vous avez choisi votre bras? Gauche. Eh ben, allez, en route, remontez-moi un petit peu la manche et puis on va s'y mettre sérieusement. Surtout après, on va vous donner un petit papier qui va dire que vous êtes vacciné comme il faut. Quel plaisir. Voilà. Je vous laisse papier, ça me fait plaisir. Bah ouais. On est vraiment tous pareils parce que c'est un truc, on est pressé que ça arrive. Hein. Ah ouais, j'étais bien content quand j'ai eu ma première et là la deuxième, voilà. Ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup, monsieur. Parfait, on va vous faire patienter un petit peu. Super. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bon, bah ça y est, hein, c'est fait, les mecs. Hein. J'ai reçu le papier. Deuxième dose, c'était aujourd'hui. J'avais eu ma première il y a un mois. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, je suis même pas là pour faire dans le débat pro, anti, mes couilles. Hein. Je suis un grand garçon, j'ai 26 ans. Je sais me renseigner. Je sais avoir mes propres convictions. Et personnellement, j'ai confiance. Donc ça me va, il n'y a pas de problème. Je suis même pas là pour faire débat ou quoi que ce soit. Je m'en fous. J'avais rien eu après ma première dose. Maintenant c'est la deuxième. Petit soulagement. Maintenant on va retrouver Thomas. Et on a des choses à faire. Rendez-vous fibre. Et ensuite sélection des personnes qui vont nous aider. On a eu des mails assez marrants, hein, vous allez voir. Mais personnellement je suis content là. Oh bah attends, il est joli ton maillot là. Bah je viens de... Wow, rien que ça. Monsieur Sofiane Diop. C'est pour le studio ça. La beubare est touffue, hein. Non mais après on va aller raser ça parce que demain c'est l'Aïd en plus. Dernier jour, broke l'Aïd, hein, mais musulman, ça fait plaisir. Bon du coup il y a le technicien de la fibre qui va passer plus tôt, mais juste avant. Tu veux nous prendre ou pas, vous direz les gars, bah en fait c'est pas possible. Bah en fait si vous voulez, il y a deux choix, soit il y a un chemin de fibre, auquel cas il peut venir installer et c'est direct. Soit il n'y a pas de chemin, auquel cas il doit faire petit, petit trou, machin, le créer en gros. Et ils m'ont dit que ça prenait peut-être 3 semaines. Bah, techniquement, regarde, imaginons qu'on le récupère, enfin qu'on ait la connexion à partir de 3 semaines, là, à partir d'aujourd'hui. C'est le 3 juin. Ça va. Bon, 3 juin, on récupère le 1er juin, je pense que... Okay. En plus, si on a les clés le 24, moi, ce que j'ai dit à qui je sais, ADR et Garcia, ah, ça y est. Je leur ai dit, c'est pack de bière et c'est peinture, hein. Ça a réquisitionné les potes, hein. Ça a commencé à faire les « Ouais, non, moi, j'habite plus à Lyon ». Ouais, ouais, ça a commencé à parler un peu... Non, non, les gars, vous allez venir. Non, mais il y aura un peu de peinture, un peu de bail. Et là, je vais te montrer parce que j'ai reçu des mails parmi des personnes qui... franchement, être connu à des moments, ça a des avantages. J'ai reçu des mails très utiles et on va vous disséquer les candidatures. Vous allez voir, il y a eu des trucs déco, placo, des trucs peinture, des trucs juste j'ai deux bras, deux jambes, je suis fonctionnel. Moi, j'ai des décorateurs intérieurs, des architectes qui m'ont dit ouais, je fais, gars, on n'a pas forcément de budget, tu vois. Je fais, ça sert à rien. Il fait ouais, mais t'inquiète, je parle pas de budget. Le mec, il veut me faire ça gratuit. On va payer un peu quand même. On va vous montrer ça. Et regardez, je vous disais quoi à propos de prendre des bureaux avec un mec créatif. Regardez, il a fait quoi pour sa pièce, bon, par rapport à moi qui n'ai rien fait. Là, du coup, je me suis fait le coin télé chill, ouais, avec petit canapé et si possible, tu vois, avec la télé au mur, si possible. Hein. Ça se met une petite télé au mur. Et là, le truc jaune, en fait, c'est mon fond de couleur, en fait, qui fait 2m75. Hop. Et en fait, l'idée, c'était pour vraiment savoir si c'était possible de caler un fond de couleur plus un canapé de 2 mètres et quelques. Donc t'as fait les mesures, puis t'es allé sur le site. L'autre jour, quand tu me filmais dans le studio, je prenais les mesures et après j'ai tout reporté sur Cozy Cosa, vraiment, et carré le site et on est bien. On va essayer de faire ça, hein, parce que moi j'avoue que je commençais à faire des mesures dans ma tête en mode à la ZUP, tu vois. Ouais, en mode voilà, ça fait 1m40 peut-être. Ouais, 1m40. Deux, c'est que je vais avoir le maximum d'endroits, le plus fonctionnel. Et il me faut un maximum de recul pour faire des photos. Le modèle va être là, moi il faut que je shoot depuis ici, tu vois. Ouais, ouais.
Là, il y a mon bureau, là, c'est coin canapé, petite table basse, petit truc. Là, il y aura déco, genre le maillot de foot, tout ça. Et la télé, si possible, d'avoir une télé soit collée ici, ou alors on la met au top. Pour mettre BFM TV. Et là, ouais, voilà, BFM TV tous les matins. Ah oui, ça aussi, j'ai pas mis, mais du coup, là, il faut que je mette un petit meuble d'entrée, tu vois. Ouais. Je vais poser cafetière, imprimante, histoire d'être carré, tu vois, vraiment faire ça le lieu. De la suite dans les idées. Hein. Ouais, vraiment, là, je suis parti pour. On va s'y mettre. Bon, regarde les mails. On a reçu énormément de mails. Merci à vous, les gars, vous êtes très gentils. Parmi les mails, il y en a des très intéressants, des un peu moins intéressants, des très très cool. Et franchement, on apprécie l'aide apportée. Mais il y en a certains que j'ai trouvé assez, pas culottés, mais franchement propres. Là, c'est quasiment le plus utile. Salut Zach, je suis plaquiste peintre de métier, 20 ans d'expérience et 13 ans que j'ai mon entreprise. N'hésite pas à me contacter pour ton nouveau local, j'habite dans l'Oise, nanana. J'aurai plaisir à t'aider dans ton nouveau projet, tu achètes le matériel et je m'occupe du reste. Donc, notre ami là a une société qui fait littéralement ce dont on a besoin. Incroyable. Ce qui est quand même assez bien parce que je vous rappelle, bon vas-y le monteur, mais là, des petites images de l'étage. En termes de placo, on risque d'avoir besoin d'un petit peu d'aide. On y connaît rien, c'est-à-dire que moi, le maximum que j'ai fait, c'est quand j'avais emménagé dans mon dernier appart, j'ai fait de la peinture. Donc à la rigueur, mettre un peu la main dans le cambouis, je suis chaud. Mais si à la rigueur, on peut avoir l'aide de quelqu'un, le rémunérer et que lui vienne nous le faire, bah franchement, c'est énervé. Donc là, cet ami-là. Non, on va avoir besoin de toi. À la limite, mettre un peu la main dans le cambouis, mais genre c'est chez toi. Non, mais j'en ai eu d'autres, et en fait, j'ai même eu un truc qui était assez intéressant. Donc il a vu ma vidéo, et en fait, c'est un gars qui fait des décors avec de la ficelle. Et là, tu te dis, what the fuck, les décors avec la ficelle. Je suis allé sur son Instagram au mec. Franchement, il fait des trucs que j'ai trouvé super intéressants. Regarde. Ah oui, d'accord, ok. Il fait des bails comme ça, tu vois. Donc, pour de la déco, ouais, pour même un porte-manteau. J'ai vu qu'il avait fait un porte-manteau avec la ficelle, des bails comme ça. Ça peut être archi intéressant. Mais ça, il peut carrément créer un fond pour ton studio. Hein. Tu vois, il peut créer un fond, il peut faire quelque chose et tout. Moi, vraiment, ce serait avec plaisir. J'ai trouvé ça archi chaud. C'est un gars qui a lancé son business, voilà, pendant le premier confinement, comme il me l'explique dans le mail. Et je l'ai trouvé assez original en fait, tu vois. En fait, comme je t'ai dit, ça peut être intéressant si on achète une grande plaque de bois, on la met derrière toi, et le mec, du coup, il peut créer un truc totalement sur 2 mètres par 2 mètres, tu vois. Et comme ça, il te crée tout un décor. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Il a même mis le petit PDF, etc., ouais. Tu vois, où il montre ce qu'il fait. Et non, franchement, je l'ai trouvé très talentueux. Donc, le plaquiste, merci le frérot. Mais là les messieurs de Hococliff, on va parler ensemble, les amis, parce que franchement, vous êtes très talentueux. Mais le string art, ça s'appelle. Le string art? Oui, parce que string, oui, ça veut dire ficelle. Donc okay. L'art de la ficelle. Donc non, franchement, très très bon. Là, j'ai eu un nouveau gars. Lui, il m'a tué de rire. Salut Zach, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as déjà ton ingénieur son, nanana, donc le setup son de chez moi. Je suis aussi ingé son et j'aimerais bien m'occuper de la partie traitement acoustique des pièces du local, donc ça pourrait être intéressant. J'en ai déjà fabriqué pour mon home studio, donc cela n'est pas un problème pour moi d'en fabriquer à nouveau. Question paiement, et aussi suivant la grandeur des panneaux, je ne demanderai uniquement le paiement des matériaux, rien de plus, si ce n'est, entre parenthèses, et c'est très osé, une PS5. Oh le culot des gars. Non mais il le reconnaît. J'ai envie. Il le reconnaît. Et moi, j'avoue que je me suis dit, bon, si le gars il vient, il isole tout vraiment propre de ouf. Bon, une PS5 c'est quoi? C'est les 400-500 balles. Ouais. Bon, à la rigueur. On l'a trouvé, mais Mais c'est surtout ça en fait. Genre moi les 400-500 euros, si derrière, acoustiquement parlant, donc tu sais c'est quand on parle dans le micro, ça fait pas de reverb, de trucs dégueulasses. Si ce qu'il fait c'est putain de propre, pourquoi pas? Mais la PS5 c'est galère à choper. Ouais, bien sûr. Et tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, le frérot il s'est dit, c'est un gamer? Il a des connexions noires, il va pas aller sur Il y a un plug à avoir. Lui il cherche pas sur D-Labs, tu vois. Le moyen de paiement PS5, j'avoue je m'y attendais pas. Mais pourquoi pas, franchement, traitement acoustique, tu vois, foutre là les petits. Toi t'en as vraiment besoin, enfin, il y en aura vraiment besoin de ton Donc, moi je risque d'en avoir vraiment 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 besoin. Alors il y en a eu d'autres, par exemple voilà, classique, ça usage, je travaille dans le revêtement de sol sur Saint-Priest. Si t'as besoin de bras, n'hésite pas, machin, nanana. Donc vraiment des frères, plein de mecs qui sont proposés, même mes modérateurs Twitch et tout, on vous aime. Mais pour finir, parce que je vais pas tous vous les lire, j'ai un pote à moi qui m'a... Lui, j'ai bien aimé comment il s'est vendu. Viens de voir ta vidéo du local, félicitations déjà. Puis si t'as besoin de bras, mon métier c'est de livrer des fûts de bière de 45 kilos tous les jours. Donc s'il y a des charges lourdes à porter, t'as mon contact. Donc, quel... c'est Milaz. Bah oui, c'est Milaz, frère. Il le connaît à l'époque. Bah oui, je l'avais déjà fait rencontrer. Donc, des amis qui portent des fûts de bière de 45 kilos... Ça, c'est super utile. On remercie tous ceux qui nous ont contactés. On va peut-être pas tous vous répondre parce qu'on aura peut-être pas besoin de tout le monde. Hein. On va pas commencer à faire 40 personnes et tu sais, Zach avec un fouet devant le local. Allez là, oh, un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Non, on va quand même, tu vois, juste ce dont on a besoin. On va rémunérer bien sûr les personnes et on vous remercie de votre aide. C'est très gentil. Maintenant, rendez-vous fibre, le moment de vérité pour l'internet. Et aussi des petites négociations. J'espère qu'il y aura pas de prank. Hein. J'espère qu'il veut pas nous dire, ouais, la fibre, elle a un peu clin d'œil ici. Non, ça ira. En plus, j'ai déjà souscrit, moi, j'ai déjà souscrit une offre.
Ok, d'accord. Combien par mois? C'est 30 euros et des brouettes hors taxe. Et en fait, si tu veux, l'avantage qu'il y avait dans cette offre fibre, c'est bah, d'une, elle était très forte. Et en fait, pendant la toute première année, on a 30% de réduction. Oh, j'ai envie ça. Oh là là. En plus, vraiment, hormis l'eau, bah, l'électricité, enfin, l'électricité, oui, forcément l'électricité, l'eau, on va pas forcément l'utiliser de ouf. Un peu de chauffage l'hiver, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Faudra prendre une assurance aussi, mais bon, ça va. L'assurance, t'as regardé ou pas un peu? Pas du tout. T'as regardé? Non, pas du tout. Ah, bon, mais bon, déjà, quand on aura les clés, ce sera pas mal. Sur le loyer de juin, voilà, je sais pas, on divise par deux, tu vois. Ouais, bah, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, on va ramener un plaquiste, on aura un décorateur, on va repeindre ici, machin, etc. Donc, ouais, franchement, un petit loyer de juin comme ça, un peu divisé, c'est top. Ouais, ouais, c'est top, franchement, c'est top. Vous me tenez au courant, de toute façon, aussi des coûts de vos travaux, notamment. Ouais. Parce que, bon, ici, j'imagine, ce sera que de la déco. Ici, ce sera que de la déco et un petit coup de peinture, mais ça, c'est, voilà, c'est surtout en haut. En haut, s'il y a beaucoup de travaux, on peut aussi se dire. Super. Faire un petit truc, enfin, voilà, super. Parce que... Let's go. Moment de vérité. Bon, du coup, le câble Ethernet devrait pouvoir passer par au-dessus, là. Donc, câble Ethernet qui passe par au-dessus et qui termine ici ou quelque part à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il y avait deux possibilités. Soit il le faisait aujourd'hui, soit ça prenait quelques semaines. A priori, aujourd'hui, c'est bon. En fait, tu sais, il regardait dans le bâtiment à côté, il disait l'installation, elle est ghetto, je vais essayer de vous montrer après. Tu sais, il y a des techniciens qui passent, chacun les uns les autres, machin, nanan. Donc ça peut rendre la chose plus galère. Mais très sincèrement, s'il nous installe la box et qu'on a internet dès aujourd'hui, alors d'une, ça servira à rien. Vu qu'on va pas utiliser le local encore. Mais c'est une très bonne nouvelle. Dédicace aux techniciens. Alors Toto, ça y est, tu vas pouvoir prendre les clés du local et aller regarder des pornos avant. Super. T'as vu comment ils sont sympas? Petit loyer divisé par deux, et si ça nous coûte cher, ils peuvent encore faire un geste. C'est bien ça, non? Après, les gens diront c'est parce qu'on n'achète pas. Oui, effectivement, on n'achète pas. Mais bon, vu qu'on est prévu pour 2 ans, quand même, c'est cool d'avoir un endroit qui est cool. Hein. On va leur faire tout neuf. Ouais. Vraiment, le sera comme ici, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, là. Moi, j'aime bien, hein. Ça fait les travaux. Cool, c'est que quand je suis, je peux l'éteindre. Ouais. Tu pourras le garder allumé parce que moi, si je shoot avec ça, ça va scintiller, ça va pas être bien. Et tu voulais mettre aussi une porte coulissante ici? Ouais, l'idée en fait, ici, parce que toi je te connais, tu vas hurler et moi je vais mettre la musique quand je vais shooter pour travailler. En fait, l'idée c'est de mettre ici une plaque isolante ou alors une tringle au plafond avec un rideau isolant, mais ça coûte une blinde. Mais bon, l'idée c'est de mettre un truc ici qu'on s'entende pas en fait et que je te vois pas de la journée. Alors tu veux pas me voir? C'est réellement, on met quelque chose là, tu sais. Moi j'investis pour pas voir ta sale gueule, vraiment c'est important. Jamais te voir, vraiment. Non, mais après, je sais pas si c'est possible. Bon, je pense simplement mettre une espèce de rail. Simplement, c'est percé. Je pense que ça se fait, hein. Tu perces, tu mets ça, tu mets le rail et tu fais coulisser et puis voilà quoi. Mais toi, t'as cru qu'on était chez 31 Barber Street? Genre, t'allais mettre du rap toute la journée. C'est un fou lui. Ouais, moi je vais écouter de la musique. Ouais, bah achète des AirPods, hein. Qu'est-ce que tu dis? Attention, il y a le technicien qui revient. Eh, hey, work in progress, les mecs. Incroyable, sérieux. Du coup, ça y est, le boîtier fibre est installé. C'est lourd. Nous avons la fibre ici. Notre ami le technicien est en train de finir ça, donc on vous fera un speed test, mais l'internet sera disponible direct. Mais avant, on va en haut pour une deuxième partie des travaux. Nous avons eu au téléphone le gentil abonné plaquiste, dont je vous avais parlé un peu plus tôt, et il nous a demandé de faire les mesures. Donc hauteur, largeur, longueur, tout ce que tu veux, machin, plus des petites photos. Alors les photos, ça c'est assez simple, ça sera fait. Mais là, il y a Toto qui va faire les valises. C'est quoi ça? Ah ouais, mais regardez ça. Je fais un plan. Donc on est plutôt sur un endroit plutôt rectangulaire. D'accord. Donc là, c'est censé être la pièce. Ça. Ça, c'est la pièce. Ça, c'est l'escalier. Ah ouais. Quelqu'un de créatif, je vous avais dit. Hein. Et là, on prend les mesures, haut, tout ça, et on va envoyer ça au plaquiste. Ok. Et après, du coup, il a l'endroit parfait. Il va pouvoir nous donner du coup le nombre exact de plaques qu'il faut acheter. À quelque chose près, et puis après voilà hein. Ouais, il nous avait dit que ça allait prendre quelques jours, donc il a dit moi je descends avec ma camionnette et mon collègue, vous nous payez de quoi dormir etc, et on vous aide. J'ai fait bon, incroyable. Alors, sérieux, ça va leur prendre un petit Airbnb aux petits oignons, et puis on ira toquer à 2h du matin. Alors vous êtes contents? Hein? Oh, les gars là, le placo là, il va pas se mettre il va se mettre tout seul. Non, je le grand respect, merci au frérot. Tu gères. Cette pièce a du potentiel. J'ai hâte de vous montrer la version finale. Et aussi quand on ira faire la peinture. Comme il y a une tireuse à bière ici. Ça, c'est toi qui t'engages dessus. Work in progress. Après 3 heures d'installation, quelques petits problèmes, mais... Allez, fais-nous un speed test très vite. Le plus vite au monde.
3 de ping. On n'est pas sur la qualité qu'on avait demandé là. C'est une belle fibre ça. C'est une belle fibre. C'est une... c'est un bon début. C'est pas très fibré ça. Hein. Ouais, c'est fil plein d'œil. Hein. On a eu le meilleur technicien, le frérot, il a fait que d'essayer de nous régler le truc depuis 2 heures. Rien à dire. Mais bon, là, ça fonctionne pas des masses. En termes de fibre, on est confiant. Pas. Deuxième essai. C'est 2 ping. Ah, ça marche bien. Ah, ça me parle. T'as pris une 300 mégas, t'as pris une 600 mégas, t'as pris quoi? J'ai pris une 500, il me semble, mais... 300 mégas, bon, c'est bon, 300, ça devrait suffire. Ouais, ça va, on écoute. Quasiment 400. Eh ben écoute, c'est ça bon, on a internet au local. Ça me parle. Ça y est, hein, sur ces 12 paroles, vous avez pu voir. Je crois qu'on est les seuls gars en France à avoir une connexion qui fonctionne. Au moins, on lui demande à la journée. Non, mais surtout là, on est vraiment tombé sur un technicien. Le frère, il est pas parti. 3 heures quand même. Il est pas parti avant que ça marche quand même. Hein, donc, ça le raye. Eh ben écoutez, vous avez compris que les aventures du local, ils risquent d'être encore longues. Mais le but, c'est que d'ici un mois, ce soit fini. Donc, un mois dans le canapé, dans la télé pour l'euro et pour voir Griezmann marquer. Voilà, pour voir Griezmann marquer, pour voir stream, tout ça, machin. Mais bon, c'est de bonne augure. Bon, sur ces quelques péripéties, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il n'y a pas Oscar pour aboyer. Et on vous dit à la prochaine avec Thomas. Bisous. Thomas, tu dis pas bisous? Ouais. La bise, les gars, à bientôt. On va se voir bientôt ici. Bientôt, souvent. Tchou tchou.